The name Rotobec did not came out at the beginning. At first, the name was Rotation du Québec. But when you do your first sale in the USA, I am Mr. Salesman from Rotation du Québec. They get, well, what do you say? So we started Rotobec this way. Because what really differentiated Rotobec at the beginning was the continuous rotators. Moi, je faisais un transmis automatique, mais on réparait en même temps les machineries forestières, les charmantes rotations qui brisaient tout le temps. Parce que ça, ce qui arrive, une rotation normale, ça fait 3/4 de tour. Puis là, l'hiver, mais le gars, t'es dans le bois, n'importe quoi, il l'oubliait, les consoles de rotation. Mais ça fait une unité hydraulique, là, qui, le grappin était là, puis il virait, puis il fermait, puis il ouvrait en même temps. Là. Que ça, on est allé aux États-Unis pour vendre notre patente. Une compagnie qui fait des chargeurs. Ils ont dit, les gars de bois, ils n'ont pas besoin de ça, eux autres. Mais les gars de bois, eux autres, ils voyaient ça ici, là. En étant allé à Ottawa, ils ont dit que ça en a allumé plusieurs. Ils ont aimé ça. Ça a commencé. Rotobec is well known for the invention of the 360-degree rotation. Marcel invented a hydraulic manifold that allows the oil to circulate from the boom of the machine to the grapple through the center of the rotation. All this to allow a continuous rotation of the grapple while decreasing the frequency of breakage related to the hydraulic hoses. It's this innovation that put Rotobec on the map. Ça n'existait pas des rotations de 360 degrés. Mais on a commencé à installer des rotations sur des grappins de d'autres compagnies. Ceux-là qui avaient de la machinerie, ben, demandaient, hey, êtes-vous capable d'installer une rotation comme ça sur mon grappin? Fait qu'on a fait beaucoup de modifications. On a commencé à faire nos engrenages les autres mêmes. Ça prenait des engrenages là-dedans. On prenait des gears de transmission de pick-up. On les mettait là-dedans, on les modifiait. J'aime ça, les défis. J'aime ça voir comment c'est fait. Puis essayer d'améliorer les choses. J'ai traité de même. Quand il y avait un problème, Marcel le réglait. Peu importe le problème, il y a toujours une solution. Puis on se casse la tête, on travaille fort, on est patient. Il y a une patience. Il savait qu'on fouillait. Bon, ben, il nous laissait aller, il nous laissait fouiller, il nous laissait approfondir au maximum. Quand ça faisait pas, on retournait le voir. Et nous repoussant encore à aller voir d'autres choses, à aller voir plus loin, puis tout le temps plus loin, jusqu'à temps que ça fonctionne. Ça, c'est le temps du garage, une modification. Donc, le temps de rotation continue là-dessus. C'est là que ça a commencé, Rotobec. On est gars de mécanique. Moi, j'étais à l'usine, j'étais président, puis j'étais en habit. Puis je me suis sali les mains souvent. Puis j'ai sali les chemises souvent aussi, hein? Oui. Les habits, les manches des habits aussi. On voulait que ça marche, que ça fonctionne. À partir des rotations continues, on a commencé à développer le domaine des attachements, des pinces, on arrivait avec certains modèles de grappins. Après ça, le principe de la rotation continue a été répliqué dans des appareils un peu plus gros, des chargeuses de toutes sortes de dimensions, les plus petites au début, les plus grosses par la suite. La rotation continue était comme le point de départ qui a amené à développer différents produits chez Rotobec. C'est-à-dire, le principe de la rotation continue, on l'a dans tous nos produits. At Rotobec, we believe that the quality of our work speaks for itself. That's why everything is done here, from the initial plan to the last bolt tightened, which ensures unmatched quality. The machining department is a key element in the quality of Rotobec products. In fact, almost all the components of our products are manufactured directly in our plants and assembled later in the manufacturing process. This is why the machine park in St. Justine alone is made up of 24 numerically controlled turning and milling machines and two conventional milling machines.
There are two hybrid lathes, 10 CNC lathes, 12 CNC milling machines, and two CNC deep hole machining machines, better known as gun drills. Each week, more than 4,000 parts are produced. All this is possible with the support of our team of 50 machinists and production equipment operators. The production of a machine part begins with the supply of raw material that's introduced into the machine. Then the machinist selects the correct tools and programs and makes the necessary adjustments. The tools remove material until the desired size and shape is achieved. The machinist then checks with various measuring tools to make sure the part is within specification. So we have to be resourceful. We are 90 minutes from Quebec City, 4 hours from Montreal away. So, I mean, we have to be able to do everything inside. As far as machining goes, Rotobec's got several great advantages over our competition. The fact that we do all our machining in-house here, the fact that the park of machine that we have that is so wide, and the know-how, how we run those machines, the expertise. We really manufacture everything from scratch to finish. We don't buy lots of components. We buy steel, we buy tubes, we weld, we machine. The rotators is made here, our cylinders is made here, and this is one of the things that makes our strength.